Ravie d'être au Burkina Faso, déjà la deuxième fois. Et nous sommes arrivés avec des pas concrets et nous sommes prêts de continuer le développement de coopération entre nos pays. Важнейший вопрос – взаимодействие в культурной и образовательной сферах. Aujourd'hui, nous avons discuté beaucoup des questions, en particulier les questions de la culture et de l'enseignement. Et nous espérons que jusqu'au fond de l'année, le centre culturel russe va être ouvert au Burkina Faso. Les délégations burkinabées de niveaux différents ont déjà visité la Russie et on peut voir déjà les résultats de ce travail et nous allons de continuer la coopération entre nos pays dans les domaines différents. Aujourd'hui, nous avons invité le groupe d'amitié russo-burkinabé de visiter la Russie pour continuer les relations entre nos pays. Et nous savons que les députés, les membres de groupe d'amitié sont d'accord avec nous et maintenant nous les attendons en Russie, à Moscou. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous informer qu'un des résultats du sommet Russie-Afrique qui a pris place en Russie à Saint-Pétersbourg en juillet est la décision de l'ouverture de l'ambassade russe à Burkina Faso. Cette liberté, le Burkina Faso est libre de choisir ses partenaires. Alors nous avons choisi également de faire une ouverture envers la Russie. Et comme vous le constatez, nous traversons également une insécurité qui nous a été imposée. Nous avons besoin d'un partenaire fiable pour nous aider à lever ces défis. C'est dans le cadre également d'échanges parlementaires, nous allons partager les expériences du Parlement russe et du Parlement américain. De voir dans quelle mesure nous pouvons également renforcer notre façon et notre manière de faire en matière également de loi.